Les étudiants inscrits à la faculté de sciences psychologiques et de l'éducation à l'université de l'Assomption au Congo, IAC, se sont réunis au village royal. Le rassemblement en ces lieux était question d'accueillir les nouveaux à la faculté pour cette année académique 2023-2024. Tout l'après-midi de samedi 11 mai, les anciens et nouveaux étudiants, accompagnés par le responsable de leur faculté, ont réfléchi sur le rôle des psychologues dans la gestion de l'oppression qui est à la base des multiples cas de suicide. C'est le père Jean-Marie Wayibutra, secrétaire de la faculté, qui l'a développé. Le père Wayibutra a montré que le suicide est devenu un sujet d'actualité qui doit inspirer les étudiants psychologues dans leurs recherches. Et je crois que notre ville vraiment en pâtit. Mais sa prévention n'est pas encore une priorité de santé. Ce phénomène de suicide demeure jusqu'à présent une question de tabou social et personne ne veut en parler. J'essaie parfois de susciter vos recherches dans ce sens à l'université de l'Assomption au Congo, mais personne apparemment ne veut pas prendre ce côté-là. C'est suspect. Je trouve que vous en avez peur. Mais il faut oser. Franchement, avec le phénomène du suicide dans la ville, nous avons du travail à faire comme psychologues. Ce thème clôturé, les anciens nouveaux étudiants de la faculté de sciences psychologiques et de l'éducation ont procédé à l'exposition des différents talents. À l'occasion de cette cérémonie d'intégration, Asifiwe Moussomi, délégué de la dite faculté, a lu les mots d'intégration de ses nouveaux camarades. C'est tellement bon pour moi de voir de jeunes brillants comme nous, prêts à plonger dans un univers nouveau et stimulant. Pour des jeunes ambitieux, l'IAC, c'est réellement le meilleur choix. Une université qui débouche de fruits directement consommables sur le marché de l'emploi et de l'autodépendance. Pour clôturer cette journée, les anciens nouveaux étudiants de la faculté de sciences psychologiques et de l'éducation à l'université de l'Assomption au Congo ont partagé un repas fraternel.